Yo les gens, c'est Crimzy. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour mon sixième live commentary ou septième, je ne sais même plus. Donc cette fois-ci, je suis complètement tout seul. Hein, je n'ai pas de pote avec qui jouer. Je fais juste ce petit live commentary un petit peu en urgence. Je devais à la base faire un commentary tout simple, mais j'ai même pas de, j'ai plus de partie, de bonne partie que j'avais recordé il y a longtemps. J'en avais une, mais je sais pas où aller, je l'ai perdue. Donc bon, je vais vous faire un petit live commentary. Donc vous parler de, pour vous parler de ma future absence à partir de demain sur 3 semaines. Donc on va voir ce que ça donne lancer de la FFA tout seul. À mon avis, je risque de fortement enrager parce que je vais tomber contre des UMP avec une conne merde et des lance patates. Oh putain, ça commence mal. Map de ma super map quoi. Voilà, ça semble bien la bonne map. Ouais, donc voilà, je vais être absent à partir de demain vers 17-18 heures. Je vais être absent jusque... Oh, un rien dans le ciel. Oh bah ça commence bien. Oh, un mec qui fait du 15-1, je le sais. Aucun bruit, oh je la sens bien cette partie. Donc c'est aussi ma première partie, hein. J'ai été vite fait aller sur Rust, vite fait tout seul comme un plot, mais... Oh putain, oui c'est effectivement ma première partie. Oh là là, je sens que je... J'ai un droit au rush kit, hein, si c'est vraiment de la merde. Il est où lui? Oui donc... à partir de... De demain... Oh là 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 là. À partir... Oh putain, je vais jamais réussir à parler de ce que je veux. Hein. Avec des cassos comme ça, là. À partir de demain jusqu'au 2 août, je serai absent. Hein. Je pars donc en Asie. D'accord, ok. Désolé, je vais quitter d'avance. On va essayer de trouver un autre truc un peu plus potable. Donc je pars en Asie, de partir de demain jusqu'au 2 août. Hein. Donc je vais faire un petit tour d'Asie, en gros. Je vais aller donc à Singapour à 3 jours, à Hong Kong 3-4 jours, à Taïwan 3-4 jours, et au Japon, Osaka, Kyoto, Hiroshima, Tokyo. Donc je vais faire un bon tour, un bon gros voyage, bien sympa. Donc évidemment pendant ces petits... cette période de 3 semaines, je n'aurai quasiment pas internet. Ok, ça commence bien avec marqueur, je sens que je vais avoir de la chance pour ce live commentary. D'habitude je fais des scores bons, je fais même une quad fit kill cam la dernière fois, mais alors là je sens que ça va être la triple feed, le meilleur clip que vous allez voir. Oui donc je vais pas avoir la wifi, je sais que je... Non non, il est pas sérieux là. Oh là là. Je sais que je vais pas avoir la wifi partout, mais normalement je l'aurai. Donc j'ai donné mes 6 tutos que j'ai prévus pour faire un peu en fait des tutos pour comment réaliser une cinématique motion tracking, ça fait donne vraiment un super rendu. Ça donne vraiment super rendu, donc c'est en 6 tutos. Hein. Il y en a 2 sur C4D, un mélange et 3 ou 4 sur AAE. Donc, putain, il est sérieux. Ces tutos donc, seront upload sur des périodes à intervalles de 3-4 jours, donc par mon pote. Hein. Je vais donner tout ce qu'il fallait mettre, description, etc. Il n'y aura pas de problème normalement. Je vais essayer, moi, de mon côté, d'uploader des vidéos IRL de moi en vacances, discuter un peu de ce que je vois. Ou... En tout cas, sur Twitter, je vais être très actif. Donc, n'hésitez pas à me follow sur Twitter, ce sera dans la description. Mon Twitter, c'est I'm Crimzy. N'hésitez pas à me follow. Je vais franchement partager pas mal de photos ou de petits commentaires de ce que je vois, de ce que je visite, etc. Twitter sera une bonne source pour me suivre. Et sinon, donc je vais tenter de faire quelques petites vidéos IRL. Ça, je pense que ça peut être sympa. Si je peux upload, hein, parce que je risque d'avoir de la Wi-Fi, mais vous savez, la Wi-Fi avec une code pas d'hôtel, quoi. Donc ça va pas forcément être extraordinaire. Mais si à un des endroits où je vais, j'ai un hôtel sympa, je vous promets que j'essaye de faire une petite vidéo IRL avec mon portable. Ça peut être sympa. Je sens que je vais pas gagner là, je sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment, il reste 2 minutes et j'ai encore 20 kills à faire avec des plots comme ça, je pense que ça va être assez chaud. Désolé, je suis un petit peu plus concentré que d'habitude. Ok, mais je joue avec des PGM, dites-moi. Le Predator, si c'est pour ma gueule, je rage quitte. Non. Bon, ils sont les deux plots en train de se tirer dessus dans le fond là. Ok, j'ai rêvé, d'accord. Bon. Oh, je sens que je vais me faire charcuter là. Oh là là. Bon.
connaissant son attention, je répète, colis stratégique de l'ennemi en route. J'ai failli le louper, quoi. Non! Non! Me dites pas, si je gagne, les gars. Je sais plus combien il avait le premier quand j'ai join, mais. Ils jouent tous à l'arme, il n'y en a pas un au sniper. Alors là, vous pourrez pas dire que c'est trop facile. Ok, il y en a un ou deux qui sont pas très fins, mais bon. Allez, je peux le faire. Merde, il fait un kill, il a fini. Ah. Non, il va gagner, non? Fais pas ton kill. Non, il a gagné. Bon, bah ça va, un petit 24-7 avec des plots pareils, là, c'est correct. Bah donc voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire niveau absence, etc. Quand je rentrerai, j'essaierai de faire un autre live commun. Parce qu'en fait, je vais rentrer le 2, je repars le 11. En Égypte pour 2 semaines, je sais, je suis un globetrotter, et oui, non, lol, mais donc en gros, je vais essayer de mettre d'ici entre cet intervalle de 9 jours un épisode à sortir, un gros épisode, un live commentary, un ou deux FFA tuto au moins. Les tutos, les autres, ce que j'en ai prévu un ou deux autres, je les garderai pour pendant mais donc mes deux petites semaines d'absence que j'aurai ensuite avec les autres vacances encore. Donc voilà, j'essaye de m'arranger au mieux, hein, pour ne pas rester trop inactif. Si j'étais partenaire, je pourrais mettre des vidéos programmées, mais là je peux pas. Pourquoi je ne suis pas partenaire? Alors franchement, c'est contre moi, hein. J'avais lancé le partenariat Machinima, je vais le donner, tiens, la petite info, parce qu'il y en a plein qui me demandent. C'est vrai que j'ai 3500 abonnés, j'ai plus de 1000 vues vidéo par jour, etc. Je pourrais largement être partenaire. Alors tout simplement parce que Machinima, j'avais envoyé, ils étaient ok, alors que c'était au mois d'avril. Ils étaient ok, j'avais eu le contrat papier, hein, le truc où il y a marqué strictly confidential et tout, là ça rigole plus. Mais mon père a vu que c'était un contrat sur votre nom de famille en fait. S'il y a des attaques, c'est les frais d'avocat les frais d'avocat sont pour votre gueule et tout, donc c'est un petit peu chaud. Et donc mon père avait eu un peu peur, donc il avait mis un peu de temps à répondre. En fait, j'avais regardé dans mes emails, on était le 8 avril au moment où j'ai regardé, et Ken Burton, le responsable Europe Machinima, me disait rendre le contrat avant le 4 avril. Donc ça faisait un petit peu dans ma tête, ah merde. Donc du coup, ben, j'ai retenté il m'a dit que je pouvais retenter ma chance en renvoyant en renvoyant mes stats, etc., pour voir si je pouvais passer. Il m'a dit, donc c'était en plus suite à une période assez inactive que j'avais eue, donc il m'a bien sûr dit que c'était pas possible. J'ai retenté un mois après, il m'a toujours dit que c'était pas possible. J'ai retenté là il y a une ou deux semaines, alors que j'avais largement les stats, il m'a dit que c'était pas possible. Donc à mon avis, je suis sur une liste noire qui m'empêche totalement d'accéder à... qui renvoie directement tous mes messages, je pense, hein. J'ai tenté, il y a TGN qui m'ont eux-mêmes contacté pour me faire le partenaire, mais ils m'ont demandé de mettre sur chacune de mes musiques, il y a des vidéos, le Twitter de l'artiste, le site de l'artiste, le Facebook de l'artiste. Donc en gros, j'en avais au moins une heure à faire, et ça me foutait franchement les boules, j'avais la flemme. Donc je l'ai pas fait, j'ai tenté d'autres trucs comme Yehush, le bulletin a bugué au moment où je l'ai envoyé, donc ça m'a saoulé, j'ai pas voulu le refaire. C'est vraiment contre moi, hein. Ça fait pas 3 fois que je le tue, lui, si je crois. 4 fois ? Allez, il leur voilà. Ah ! 4 fois. C'est cool, hein, j'adore les parties, vous voyez, où il y a vraiment aucun sniper et c'est vachement actif au niveau du milieu, hein. Les mecs perdus, là, qui vont à aucun spot où il y a des gens, ils essayent de trouver des joueurs... comme ça. Bon, j'aime pas trop cette map parce que je campe comme un porc dans l'escalier, mais j'ai pas d'autres endroits. Oh merde, le voilà là-haut, putain. Corbeau X laser, lol. Bon, les gens, essayez d'être un petit peu. Par contre, la co est bien, ça c'est cool pour une fois. Ça change, au moins il y a peut-être des gens qui jouent. Ah merde, j'étais un kill du bombardier furtif. Je vous précise quand même que j'ai réussi à faire rush kill quelqu'un en le tuant 5-6 fois quand même, hein. Ah d'accord. Ok, mon cut super, vive la parabole. Bon. Donc on voit tout de suite, bon, franchement, honnêtement, je gagne 95% des parties, mais quand c'est au snipe, je préfère quand même. Quand il y a au moins un ou deux gars au snipe, c'est quand même plus nice, hein. C'est plus jouable. Il y a plus de mecs au spot et il y a moins de mecs de ce genre-là. Putain, ACR lance-grenade, non mais merde. Mais allez sur MW3, allez pourrir MW3, il est déjà infecté par de la vermine comme ça, là.
pouvais aller dessus. Hein. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des mecs qui campent au fond de la map? What the fuck? Comment faire des clips sur des mecs qui campent chacun dans tous les côtés? Ah, j'ai failli mettre le no-scoop. 3-6. Ah merde, je crois qu'il y a quelqu'un. Ah. Allez les enfants, on s'aligne. Ah, c'est vraiment calme comme partie. Hein. Putain, faire 11 kills en 2 minutes 30, c'est vraiment lent. Hein. Oh là là. Oh, j'ai eu chaud. Bombardier. Ah non, pas sur ma tronche, non. Ah. Ah, j'adore les explosions qui me touchent absolument pas. Oh putain. Oh, 3-6, non, je suis un war. Bon, je vais bouger un peu de mon spot pourri où il y a personne. Je vais aller de l'autre côté en face là. Il y aura peut-être plus de monde. Bon, et vous là, vous allez un petit peu vous activer un peu la gueule parce que là, comment vous commence vraiment à me saouler là. Non, mais c'est vrai qu'il y en a un qui est en train de camper au fond de la map. Oh putain, il est pas sérieux lui. Ah, regardez, alors il s'appelle XXAlexX61XX avec un 3 à la place du E. Allez le spammer de messages à la con là, de haine, parce que là, c'est les mecs comme ça qui ruinent le jeu. Ah, puis en plus, il campe là, non, il délire là. Allez, mets ton drone, mon gros. T'as mis ton drone là? Cherche-moi un peu, voir. Ok, il met son drone. Il est à côté de moi. Je l'ai entendu l'activer, mais non. Un mec au snipe? What the fuck? Je rêve. J'aimerais bien qu'il y ait tout le monde qui joue au snipe au bout d'un moment là. Parce que si je leur ruine la gueule. Vous voyez, il y a déjà des gens au snipe là. Ça commence, vous voyez, petit à petit. Hein. Alors lui, il est pas sérieux là. Faut que je m'occupe de. Oh, il fait. C'est chiant. Alors la cachette du frigo. Hop. Excuse-moi mon gros, je t'envoie un gros suppositoire volant dans les fesses de ton hélico, mon... Putain, j'ai failli louper. Ouais, il a la rage, là. Ok, je te l'ai pas mis la balle. Non, 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 c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, bon, bon. Je vais regarder si j'enregistre bien ma voix, j'ai un doute. Ouais, nickel. Ah là là, ces jeunes noobs, hein. Ouais, sérieux les gars, y'a personne là. Dès que je commence à faire 2 kills, vous vous cachez là. Bon là là, c'est dingue. Putain, j'ai encore fait rush kit un mec. Deuxième mec en rush kit en une partie quoi. C'est abusé. Ouais, le patate dégage là, bouffon. Oh merde, je l'ai pas entendu. Bon, ça, je suis du 23-6 hein, avec des mecs à l'arme. Oh là là là, c'est un. Il est où lui? Eh, hey, range ton gun à billes, mon gros là. Viens là. Non, non, viens là. Bon, Crimzy, il a dit tu viens. Alors, oh putain, il y en a un au bout. Il va se faire plomber. Non, toi, tu vas pas mourir par lui. C'est mort, hein. Tu piques pas mes kills déjà. Coucou, c'est moi. La patate. Eh, hey, Joe, la patate. Ouah, Alex, au secours. Quelle merde, ce mec. Missile prédateur paré au lancement. 3-6 carnage, oh my fucking god, un petit 36 en livecom sur des mecs à l'arme avec un ou deux gars au snipe, mais ils ont rush kit, c'est bien. Oh my god, fucking 3-6 carnage, oh fucking. Donc voilà, on va peut-être continuer sur une troisième partie, j'aime bien là. Pour une... Eh, franchement, pour une fois qu'au bout du deuxième essai, je tombe dans une partie correcte en jouant tout seul, c'est un miracle. Hey fucking miracle, miracle baby, VZDR, je connais pas. Ah, vous me votez la map des talibans là, j'en veux pas moi. Que j'en veux pas. VZR1FX. Qui c'est que ça? Vezir Elite. Oh. Bon. Boom. Ouf. XX. Boom. Bastic. XX avec des majuscules au milieu du gamer tag. C'est trop swag. Ce mec me spam, je sais pas s'il va regarder cette vidéo, mais alors là c'est impressionnant. Bon, après tout, on va là. Ah, j'allais dire, je vais l'inviter, au moins ça fera peut-être un mec au snipe. Ah non, bah non, c'est
pas la peine, y a personne. Son Tucci 54. Vive les gamers tag Xbox. Putain, votez les gars là, votez un petit vote là, 3 votes sur 4, c'est incitant là, on a envie de voter pour sentir le poids du destin là, pour sentir l'importance qu'on a de faire changer de map là. Allez, votez. Pas cette map de putain de gitan. Pitié. Y'en a un qui me fait du suspense là, il s'amuse là, il me laisse jusqu'à la dernière seconde. Ouais, non, il me laisse pas en fait. Non, c'était pas du suspense, c'est que c'est vraiment des merdes. Bon bah, c'est super sympathique. Allez, c'est sympatoche même. Soyons fous, Afghan. Bah oui, Afghan avec des mecs qui jouent à l'arme, une co correcte, faut l'avouer, allez bien. Installation du jeu, bon, ça c'est pas mal, ça c'est sûr. Pique-nique douille, c'est toi que t'as gagné. Ok, puis on est 7, c'est super. Déjà qu'à 8, ça va être impossible de faire un clip, alors à 7, c'est encore mieux. Ah, puis il est toujours là, Alex XXXX, là, avec son lance-patate. Alors, le spot sur Afghan, bah, c'est très simple, les enfants, c'est ici. Ah, Alex, vous êtes témoin qu'Alex jouait aux patates, maintenant, il joue au snipe. Tout le monde joue, vous êtes d'accord, hein. Au début, personne joue au snipe, maintenant, tout le monde y joue. Triple feed headshot. Oh non, je l'avais. Elle joue avec des plots, c'est incroyable. Hein. Les mecs, ils font n'importe quoi, quoi. Non, sans déconner, vous êtes témoin qu'il y avait pas mal de gens qui jouaient à l'arme avant et maintenant il n'y en a quasiment plus aucun. Vous êtes témoin. Hein. C'est pas moi, j'aurais rien dit. Hein. Ah. Oh, le beau gosse, il a mis deux crackscopes d'affilée. Wow. Ah, je suis content là, voilà, ça joue au snipe. Hein. J'y peux rien moi. Quand les gens se jouent à l'arme et se font massacrer par un sniper comme j'ai fait avant, ils ont envie en fait de se mesurer à moi techniquement. Oh, ça va, j'enchaîne bien lui. Ils ont envie de se mesurer en gros à moi si c'est. C'est vraiment pas pour être prétentieux ou rien, c'est juste qu'ils ont envie de se mesurer à moi, c'est ça, mais je le faisais aussi beaucoup. Hein. Mais ils ont juste envie de se mesurer à moi, donc ils vont jouer au snipe, c'est tout. Oh, vas-y, quand faut que je mette un suppo volant, vas-y, ils sont chiants. Allez, on compte le temps de seconde. Allez, 1, 2. J'ai fait quoi là? Il est arrivé quoi, mon prédateur là? What the fuck? Et l'avion, tu m'as fait quoi, mon prédateur là, connard? J'ai pas compris là, j'ai tué quoi, j'ai fait quoi? Et il me pique des kills en plus, cet enfoiré. Ah? Non, non, pas la flat. Il est où lui? Mais il va arrêter lui là, Danny là. Eh, ils sont chiants. Ah, je perds pas contre un sniper en live com. Hein. Ah non, non, non. Oh, mais il me pique tous mes kills, le harrier là. Ok, je sors. Mais non, mais c'est du délire là, il prend rien. Moi j'ai 7 kills de retard là, c'est pas bien. On va rattraper ça vite fait. Non, ils sont sérieux là, ils prennent rien. Hein. C'est chiant là, ils jouent qu'à la paralysante. Vous voyez, ça c'est des vrais, des faux snipers. Les mecs qui savent jouer qu'en paralysant les ennemis quoi. Hein, je trouve ça pas ça égal quoi. Ok, une petite paralysante de temps en temps sur un mec qui fait chier son monde, mais là c'est abusé. Ça fait que ça là. Il y en a un qui a lancé, ça a déclenché le mouvement. Je sentais que Son Totier, quand le mec court et s'arrête de courir, c'est qu'il est en train de vous hardscoper. Et qu'en gros vous allez crever. Non, je suis coincé. Je suis coincé dans une bonbonne métallique. Mais oui. C'est ça le swag. Ah, Corbeau Laser reste fidèle à sa scarache. Ça, c'est un bon mec. Hein. Corbeau X Laser, pardonne-moi. Hein. Qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est ça, saute et rends-toi utile. Oh, vas-y, marqueur. Bon, je suis repassé devant, c'est déjà ça. Je fais quoi, du 21-9, ouais. Eh, montre. Non, 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 c'est... Eh, hey, vous êtes témoin, il prend rien, là. Oh, il va se calmer, le petit enfant, là.
Non, bah oui, c'est la fête là, sans moi en plus. Bon, il fait quoi? Oh, il est sérieux, mais le mec il voit, il y a tout le monde au snipe, il garde un tar 21 silencieux. Eh, je suis obligé d'un scope là, je sais pas ce que je fais, je suis fatigué, je sais pas. J'aime pas les mecs qui campent au petit bunker, c'est chiant à tuer. Oh, il y avait deux mecs. Bon, je vais pas perdre là, non, ok, il a mis son arrière, il a fait que tous ses kills avec un arrière là, c'est un peu chiant ça. Devrait être interdit les arrières, les Pavlo, les trucs abusés là. Mais passe ta tête toi mon gros. Bon bah un petit 32 hein. Alors je précise quand même que Corbeau X Laser, notre cher ami qui joue à l'arme, est quand même a fait du 2-10. Oui. Ok, ça bon, c'est peut-être un débutant. Ok, je sors, d'accord, je suis méchant. Ok, je me tais même. Bon, mon collègue Air X Dani a l'air pas mal quand même hein. C'est un bon joueur. Alors je suis à combien de temps en enregistrement? 21. Ouais, je vais rester parce que je suis un rebelle de la forêt moi. Je vais peut-être pas vous lâcher là, je sais pas. Je sais pas. Bon, allez, on va rentrer un petit quad fit sur Scrapyard, ce serait sympathique. Allez, on va rester jusqu'à la fin. On va profiter de mes dernières petites parties d'FFA avant 3 semaines. Faudrait que je fasse une partie de... Non, c'est même pas drôle, quand on rentre après 3 semaines, voir comment on joue. Enfin, au bout de 10 kills, c'est bon, je suis déjà remis dedans, mais... C'est vrai que non, ça ne servira à rien, c'est idiot. Mais bon, en tout cas, je vais oublier code un peu, là. On va voir des choses. Il faudrait que je vous mette la photo d'un hôtel où je vais à Singapour. Il y en a certains qui l'ont vu, mais c'est un petit délire. Rien que... On peut même pas y croire. Enfin, faut même en le voyant, c'est... Ok, tu veux un 1v1? Bah, moi, je fais pas de 1v1, je suis pas un VNP Warrior. Oh. Ajoute-moi, s'il te plaît. Je suis pas un fanboy, t'inquiète. Ça fait un peu suspect, comme ça. Hein. Ça fait un peu suspect, beaucoup, même, hein. M'excuse, en plus tu tapes pas en live comme mon grand là, tu... ça craint un peu là. Je suis désolé, je vais pas pouvoir t'ajouter parce que si je faisais ça avec tout le monde, bah je serais à 100, là je suis à 89 amis. Et encore je bouge, je change souvent. Hein. Alors, j'ai pas la... Ah bah non, il est pas... L'autre n'a pas bougé. Alors, voyons voir, Barrette. Ouais, Barrette, pourquoi pas Barrette, allez, après tout. Ah, tu m'as tué. Pourquoi ils m'envoient tous des messages là? Oh, j'avais la quad fille là. Ah, il y avait le mec là, juste là, là. Lui là. Il y a aussi celui qui va passer derrière dans 2 secondes. Voilà. Il y a aussi le connard qui se met à la fenêtre. Et le mec qui est derrière moi. Ah, ah, cours, cours, cours. Je suis un kikou. Non, j'ai plus de balles, merde. Oh. Oh, il est sérieux? Je fais un peu n'importe quoi avec mon barrette là. Oh, il est bon là, le petit Dani là. Ah, ça me gratouille le nez. Ah, ça me gratouille le nez. Mais non, il y avait tout le monde. Oh putain, il y a encore tout le monde. Ah, il y a trop moyen là. Ah, je me gratte le nez, je me suis gratté le nez, toi, bâtard. Mais ils sont où là? On se bat pas là-bas les enfants, on va au milieu. Oh, ils sont chiants. Ok, tu veux jouer à la bataille du hitmarker? Celui qui fait le plus d'hitmarker il a gagné. D'accord, ok. J'ai déjà un prédateur moi. Bon, tant mieux. Hein. Attends, excuse-moi, je m'occupe de toi après. Il y a un mec derrière moi. Et il va venir là. Coucou. Eh, hey, y en a un derrière moi. Pourquoi lancer des cuts? Sérieux, ça me fait tuer plus de fois que je tue de personne. Y a un mec là-bas, JJMV en approche, attention. Fais attention, Dani. Non, mais merde, qu'est-ce que je fais, moi? Ah, ça me gratte le nez, c'est horrible. Ah non, pas encore. Hein. Ah, ok, vas-y, cours-moi dessus.
Ouais, toi, je te hais, toi, dégage. Qu'est-ce que je fail comme tir? C'est abusé. Non, bah alors lui. Un mec qui joue commando, ça, c'est un vrai trickshotter, ça. Ouais, je vais mettre un hitmarker par gars par, sur 6 gars. Pourquoi ne meurt-il pas, lui? Oh, ça fait chier. Oh, il y avait moyen de continuer, là. Encore un arrière. Oh, vous êtes chiant, hein. C'est abusé, hein. Oh, faut toujours que je m'en occupe, hein. Les gars, il y a un truc, là. Ça fait deux fois, là. C'est quoi, ce délire? Pourquoi mes prédateurs s'autodétruisent? Il y a une nouvelle touche pour autodétruire prédateurs à la place de la propulsion? C'est du délire, sérieux. Je suis dans un lobby anti-prédateur, je sais pas, il y a un truc, hein. Sans déconner, vous êtes bien témoin que mon prédateur s'autodétruit. Bon, il nous fait quoi? Il y a 14 mecs autour de moi, là. Ah, excuse-moi, je rentre, je me permets. Non, maintenant, t'es parti où? Ah, t'es là. D'accord, ok, vas-y, tue-moi. Bon, au moins, il s'est senti utile, il a détruit. Ah, mais il arrête pas de flasher. Oh, quoi de fit kill cam, allez, go, 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 go. Ah, si je la remets. Non, bah pardon, je peux approcher du milieu quand même. Ah, merci. Bon, il fait quoi, lui? Oh, putain, pourquoi il m'a pas flashé avant que je le tue? Tu fais chier. Ouais, c'est bien, tu peux cutter, Kassos qui couvre. Non, pourquoi il s'est caché, lui? Oh, 3-6, non. Non, non. 3-6 couteau. Alors ça, c'est de la killcam qu'on appelle auto aimbot un sniper invisible. En fait, c'est une killcam réalisée donc par un trickshotter. Il faut vraiment être un maître en trickshot, hein. En fait, ça s'appelle, on s'abaisse, on rentre son snipe et on s'amuse. C'est franchement fort à la technique, vous voyez. Donc un petit 30-16, hein, pour encore une partie. Là, pas avec pas mal de snipe quand même, hein. Vous êtes bien témoin qu'au début, je vais tous à l'arme, hein. Bah donc je vais vous laisser, ça fait 25 minutes de live commentary, je vais finir par faire des live comme du 3h moi. Donc je vous laisse, souhaitez-moi bonnes vacances. Puis j'essaye de faire des vidéos IRL, plus les tutos, hein. Bon en tout cas les tutos c'est sûr, ils seront upload, hein. Le premier arrive dimanche, et les vidéos IRL, ben peut-être pourquoi pas quelques-unes. Allez je vous laisse les gens, je vais rester en stack, là il est pas mal. Ciao bye, bonne nuit ou bon après-midi, enfin bref, ciao.